Mais comment nous sommes? J'espère que nous sommes en forme. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous pour venir parler de nos football. Je dis, je viens parler de un bagage tout à fait spécial ensemble avec nous. Côté qui va parler nous de Angel Aurélien. Qui est-ce qui est Angel Aurélien? Un jeune joueur qui voulait jouer pour Haïti. Je vais parler de Angel Aurélien et tout à fait intéressant. Pour qui ça l'imite venir jouer pour Haïti? Est-ce qu'il y a un lien parenté avec Haïtien? Qui ça directement qui pousse-le venir penser jouer pour Haïti? C'est pour la première fois que je suis en train de parler football haïtien, deux joueurs haïtiens qui ont pu voler national et international. Je vous remercie vous-même qui toujours commentez, invitez les amis à venir abonner sur le channel. Moi, merci monsieur Rudolf, personnage qui me salue, qui c'est personnalité channel c'est là. Important. Salut, nous dit tout le monde bonne semaine. N'a pas retourné ça encore. Tout le monde bon mois d'octobre. Tout le monde mois d'octobre, une bonne fête. Continuez et que bon Dieu capable protéger nous. Nous allons aller commencer directement. Jusqu'à présent, pendant ma parole ensemble avec nous là, pour qu'on gagne rien qui dit est-ce que Kibo Haïti apprécie le match football ça? Est-ce que tout Haïti pral déclarer forfait? Nous pral prendre, nous pral perdre du match par forfait parce que des possibilités pour nous perdre du match par forfait et pas non seulement pour sélection senior garçon yo, li capable tout pour sélection senior mesdames. C'est vrai que li capable paraître pi bonheur que nous capable de chercher terrain jusqu'à nous 26 pour nous capable 26 que sélection mesdames yo a joué, mais pour sélection garçon jusqu'à présent faut que nous capable nous pour connaître côté ça bail parce que je dis à déjà deux rien pour qu'on dit et jusqu'à présent l'ispoko sorti n'a joué 12 en ville causerie avait dit dans 10 jours encore match football là joué l'instant pour qu'on sorti fédération haïtienne de football n'a tout les avec Calderon n'a tout les un paquet de joueurs indésirables qui ont souhaité que M. Calderon doit pour finir faire l'islam, il doit pour jouer un contact joueur ça pour tard parce que c'est journée internationale qui est. Journée internationale c'est pour tout un pays, c'est pour tout un club, c'est pour tout un pays qui a joué football. Question à vous poser tout, est-ce que vraiment Calderon gagne assez de compétences pour convaincre un joueur pour venir par rapport avec arrogance cité qu'il gagne et peut-être c'est arrogance qui fait ça ou soit tout qui ça directement est-ce que c'est parce que nous sommes un petit pays on sont un petit pays football par rapport avec manque de compétences que nous gagnons dans le pays hein, qui fait que monsieur paraît comme maître seigneur comme le roi comme dans affaire en football. Bon, n'attend pour nous connaître. Eh bien, nous parlons pas de nous de joueurs ça, mais ni Jean que nous là, monsieur Zarelli, Angel Aurélien. Qui est-ce qui est Angel Aurélien? Angel Aurélien en 2017, en 2017, 2018, 2019, comparé comme pépite, comparé comme un meilleur jeune joueur qui gagne sur planète football là, comparé parce que c'est parmi un tout, qui doit faire, qui c'est une raison qui fait que les pas de guetant jouer dans paquet dans toute équipe ça a été gagné. Monsieur qui fait Panama, lui papa lui c'est un français, ça veut dire que monsieur nationalité française et française et panaméenne, lui tout à fait intéressé pour le jouer pour Haïti. Monsieur gagne 18 ans. Dans 18 ans ça qu'il gagne, lui passé un paquet de clubs. En 2017, dans 2017, 2018, 2019, en quatrième de l'an, mais à partir de 2017, 2018, 2019, Real de Madrid, Benfica de Lisbonne, Paris Saint-Germain, toute équipe ça a été gagné en pile intérêt pour que vous soyez capable de signer un jeune joueur. Ça a été vous scout à regarder comment que monsieur a joué et monsieur passé un paquet de clubs. Eh bien, selon ça qui se passe, qui fait que sorti là, selon un journaliste du qui monsieur le Anulfo Barasso qui t'a fait connaître qu'il publié sur réseaux sociaux les côtés milieu de terrain panaméen ça cap une équipe USL Dunkirk là USL Dunkirk côté que monsieur t'a pris là la traité pour ta venir gagner nationalité et nationalité haïtienne pour lui jouer pour Haïti parce que monsieur gagne volonté pour jouer à pour Haïti monsieur qu'on a posé cette question est-ce que il est capable de jouer pour Haïti est-ce qu'il pas grand jouer pour Panama. Monsieur ça, qui est Angel ça, il était joué pour Panama, un match seulement au niveau senior, les salités, il était jeune petit garçon, il était joué pour un match, c'était à l'âge de 16 ans, il était joué pour un match pour l'équipe Panama,
question à priver poser, est-ce que vraiment l'a capable de jouer pour Haïti? Oui, il est capable de jouer pour Haïti parce que c'est un match amical qu'il a joué pour la pour pays ça qui c'est pays Panama, il est capable de toujours jouer pour Haïti selon toute information qu'il gagne. Mais monsieur ça premier match qu'il a joué en 2016-2019, il était venu dans l'équipe Sporting San Miguelito. Il était joué 38 matchs, fait 2 goals. En 2019, il était joué dans la course à jouer. En 2020-2021, il était dans l'équipe prêtée par l'équipe Kousasoul, dans l'équipe Kousasoul Ndalgo. Et Ndalgo, il était joué 26 matchs. Après, il a fait 5 goals. En 2021-2022, il était placé dans l'autre équipe qui crée les places Amador. Il joue en question de 15 matchs, il a fait 2 goals. En 2022, il était dans l'équipe Patriotas BAK. Il fait 5 matchs, il fait 2 goals. 2022-2023, il tourne dans la même équipe, ça qui s'équipe et place Amador. Il joue 27 matchs, il fait 7 goals. Dans l'équipe en 2023, il passe près de 4 équipes en 2023. En 2023, l'équipe Colmenares, il fait 6 matchs, il n'a pas fait goal. En 2000, il tourne dans l'équipe en 2023 et Sporting San Miguelito, il était tourné, il pas de joué match et actuellement, il est dans ISL Dunkerque, il joue 7 matchs pour ISL Dunkerque, il est retourné en France là en France, c'est le premier club en Europe côté que il pral jouer dans l'équipe ça qui c'est bon équipe ça parce qu'il pas connait qui game équipe là cité là pas qu'il fait recherche sur pour nous comme dans équipe qui était eh bien monsieur ça li et catégoriquement li joué en question de et 7 matchs ils font un green goal pour un carton jaune pour équipe ISL Dunkerque là ça c'est la grande question qui se pose que ça li joué dans U17 pour Panama en 2017 en 2018 et 2019 li joué dans U20 pour Panama il fait 8 il joue 8 matchs il fait 3 goals en 2022 il joue pour U23 Panama il fait 9 matchs il fait 6 goals et dans sélection senior Panama il joue 3 matchs li joué c'est 3 matchs amical. 3 matchs amical, bon si c'est 3 matchs amical qu'il joue, dans 3 matchs amical ça yo, question à pouvoir poser tête tout et joue football pour pas jouer pour lui pas jouer pour un autre pays, c'est si li que même il était quand jouer match qui officiel par exemple match compétition et le quoi que c'est 3 matchs officiels qu'il joue, il t'a gain possibilité là pour lui ta jouer pour Haïti. Est-ce qu'il a joué pour Haïti? Est-ce qu'il a une nationalité haïtienne? Non, si qu'il a opté pour faire ça, li capable faire. Est-ce que tout li tap yon bon pioche pour Haïti? 22 ans, milieu offensif, li ka joue comme milieu offensif, li ka joue comme milieu gauche, comme milieu droit. Ça veut dire que monsieur très technique tout. Monsieur certain que li tap vraiment intéressant pour que li ta joue pour Haïti. Bon, n'attend pour nous connaître, est-ce que Angel, les mêmes qui c'est Angel Aurélien, malgré elle signe Aurélien, nous gagne famille, nous gagne haïtien qui signe Aurélien tout, mais li pa gen, li pa gen ken lien avec haïtien parce que maman son panaméenne. Papa li son français et actuellement monsieur a évolué dans l'équipe ISL Dunkerque qui en deuxième division dans pays la France nous gagnons plusieurs joueurs haïtiens qui passent dans ISL Dunkerque pour ne pas dire que dernier monde qui passe dans ISL Dunkerque qui c'est pas l'autre qui levait ton pierre qui t'a vu dans ISL Dunkerque actuellement qui a vu une avrage eh bien m'a dit déjà souhaité monsieur bienvenu c'est que lui même le jeune passeport haïtien la jeune facile qu'on y a là changer nationalité sportive là 22 ans comme les jeunes toujours à 22 ans changer nationalité sportive là ça va dépendre entre la fédération haïtienne de football et fédération panaméenne de football et m'a dit la FIFA pour capable changer nationalité sportive là joueur qui c'est Angel Aurélien était connecté sur la chaîne là pour des informations.